Salut Juliette! Salut Céline, tu vas bien? Bah oui, on est en présence d'Ania aujourd'hui. Bonjour. Formidable, ça sera donc un live à trois, notre premier trouple quelque part. Voilà, on va interviewer Ania qui était parfaite pour le thème qu'on va aborder. Salut Ania, je suis en train de lire ton livre. J'étais en train de potasser. Alors ce livre il s'appelle L'ordre de cicatrices. Et se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Il est vachement bien fait. Bravo, Ania, hein, vraiment. Merci, merci, Juliette, je suis très touchée. Il se dévore. Je l'ai reçu qu'hier soir, donc je l'ai pris avec moi dans le train et je le dévore depuis ce matin. Merci, je suis honorée. Je suis très... Alors, on va commencer avec une lettre d'amour, comme d'habitude. Et cette lettre d'amour, elle est un peu politiquement incorrecte parce qu'il est temps qu'on affirme les femmes dans la sphère publique à la hauteur de ce qu'elles sont et avec, du coup, un grand courage. Chère Vas-y Céline, femme, balance ta dénonciation. Je balance, mais en tout cas, ce n'est pas une dénonciation tant que ça, c'est une incitation à voir les femmes telles qu'elles sont et à avoir un discours à leur hauteur et avec ambition. Alors, chère femme, quand avons-nous arrêté de croire que les femmes étaient fortes? Quand avons-nous commencé à croire que le but du féminisme était d'avoir pitié des femmes et de les traiter comme de petites choses fragiles systématiquement avec ce discours politiquement incorrect, franchement insupportable? Comme s'il était crédible que soudainement nous soyons faibles et prêtes à flancher à tout moment. Qui croit sincèrement qu'il nous faille épargner la moindre vexation? Comme si nous étions fragiles, nous. Nous qui sommes violés, fouettés, battus, insultés depuis des millénaires et qui relevons la tête et avons encore la force d'accoucher pour garantir le renouvellement de l'humanité? Ne nous faites pas l'insulte d'avoir pitié de nous. Si les femmes suscitent ensemble un sentiment commun, c'est bien l'admiration. Alors, nous sommes tout sauf des victimes éternelles. Le féminisme n'a pas pour but d'attirer la pitié, mais a l'ambition d'offrir au monde la présence merveilleuse des femmes dans la société. Laisser croire aux femmes que le statut de victime est un aboutissement, c'est valider une déclinaison moderne de la femme-objet. C'est être complice d'une forme nouvelle du patriarcat. C'est priver les femmes d'une existence indépendante de leur rapport aux hommes, puisque définie selon uniquement ce qu'elles subissent de leur part. Si on continue de définir les femmes uniquement selon la somme de ce qu'on leur a fait subir, on leur garantit à nouveau un statut de femme-objet, puisque nous les définissons uniquement à travers ce qu'elles endurent, et donc comme des êtres passifs. On ne les laisse pas choisir qui elles sont. Notre destin est dans nos mains, dans notre parole, que notre parole pardon, soit libre, qu'elle dénonce les violences oui, qu'on a subies, et serve ensuite à construire notre destin à partir d'une toile blanche. Voilà les amis. L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. Jean-Paul Sartre. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal. Ça résume, tu vois, je me disais, je veux résumer en une phrase tout ce que tu viens de dire si poétiquement et si magnifiquement. Et okay. Je me suis dit, tiens, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là-dessus, Sartre a fait une bonne action, là. Là, exactement. On en parlera plus tard. Il n'a pas que des bonnes actions. Ah non. Entre lui, la petite bataille Albert Camus et Sartre, on est plutôt team Albert Camus. On est un peu plus team Albert Camus. Mais chaque personne n'est pas dans sa globalité mauvais. Et je trouve que sur cette phrase-là, il a raison. Exactement. Oui, puis c'est un grand penseur. On ne peut pas lui enlever. Alors oui, bravo, moi je suis tellement en accord avec ça et merci Ania de nous rejoindre dans cette émission et de venir témoigner. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Ania, de ton parcours, qui tu es et de ce qui t'a amené à écrire ce merveilleux livre L'or de nos cicatrices? Avec plaisir. Alors moi je suis moi-même une résiliente d'un viol que j'ai subi dans mon enfance. Et moi, j'ai mis 20 ans à libérer ma parole suite à ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, moi, je suis fondatrice et présidente d'une association qui s'appelle Les Résilientes. Et j'organise à Paris depuis 3 ans des groupes de parole pour les hommes et les femmes qui ont subi des violences sexuelles. Je suis également coach de vie certifiée, je suis thérapeute et j'accompagne des personnes aussi à
sur leur chemin de leur reconstruction, de la libération après des violences sexuelles. Donc aujourd'hui, je consacre ma vie à accompagner des personnes sur le chemin de leur renaissance, on va dire, suite à leurs épreuves de vie. Voilà, et puis je suis auteure du livre voilà, qui vient de sortir lors de nos cicatrices, Se libérer, se reconstruire après des violences sexuelles, parce qu'en fait, il me tient à cœur de partager les outils qui m'ont moi-même aidé dans mon chemin de reconstruction. Et il me tient à cœur de transmettre tout ce que moi j'ai appris, que j'ai mis du temps moi-même à comprendre, en fait, qu'une épreuve que l'on vit, quelle qu'elle soit, hein, ne nous définit pas et ne conditionne pas le reste de notre vie. Hein. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ou résumer pour les auditeuristes un petit peu quelles sont toutes ces, en fait, un peu toutes ces réflexions que tu as eues qui ont permis justement ta reconstruction et ta libération aujourd'hui de pouvoir même aider les autres? Oui, tout à fait. Alors, moi, en premier lieu, la première clé qui m'a aidée, c'est d'accepter ce qui m'était arrivé. Parce que moi-même, j'étais longtemps, on va dire, dans le déni ou une forme de minimisation de ce qui m'était arrivé. Et c'est une réalité que je n'arrivais pas à accepter. Donc, moi, j'avais choisi le silence et de ne pas en parler parce que je pensais qu'ainsi, je pourrais oublier. Bon, cette technique ne marche pas. En tout cas, moi, je ne connais personne pour qui ça a marché. Enfin, j'ai essayé 20 ans, je peux dire que ça ne marche pas. Pour moi, donc, le déni, non. La minimisation. Et puis, en fait, moi, c'est vrai que dans mon cas, j'avais tendance à me dire, eh ben, je m'en sors pas trop mal parce que je suis quand même vivante. Alors moi, c'était lors d'un cambriolage qui a mal tourné avec des violences et séquestrations. Et lors de ce cambriolage, en fait, il y avait le viol dans mon cas. Et donc, c'est vrai que je me disais, je ne peux pas vraiment me plaindre parce que je ne suis pas morte, en fait. Et moi, je pensais vraiment que cette nuit-là, c'était ma dernière nuit sur Terre, on va dire, et que j'allais mourir, ainsi que les membres de ma famille, en fait. On était tous séquestrés. Mais moi, j'étais la seule à vivre des violences sexuelles. Et donc, comme j'estimais que je m'en tirais pas, j'avais 15 ans. D'accord. C'est à Paris, hein. Et moi, je me disais, je ne m'en tire pas si mal que ça parce que je m'attendais à mourir, en fait. Et je pensais aussi que mes proches n'allaient pas survivre à ça. Et finalement, on était tous vivants et on va dire en bonne santé. Voilà. Donc, je me suis dit, je n'ai pas envie de leur rajouter, on va dire, de la peine en leur disant ce qui m'était arrivé. Donc, moi, j'ai choisi dans ce cas le silence parce que je me disais à ce moment-là, le fait de ne pas en parler, moi-même, je peux contrôler mon passé, je peux contrôler mon histoire. Et puis, au bout d'un moment, c'est comme un chagrin d'amour, ça va finir par passer. Et puis, tu as aussi une culture qui est quand même une culture de la pudeur. Tout à fait, et ouais. Qui ne t'incitait pas à libérer la parole. Oui, c'est vrai. Alors, elle a raison, Céline. Moi, je suis d'origine... moi, je suis française, mais d'origine chinoise. Moi, j'ai grandi en France. Hein, voilà, j'étais à l'école en France. Mais c'est vrai que moi, j'ai une double culture. Et dans la culture asiatique, notamment les traditions chinoises, en fait, on ne parle pas vraiment de ses sentiments, ses émotions, on ne parle pas vraiment de ce qu'on ressent, en fait. Donc ça, c'était depuis toute petite. Hein, j'étais habituée à, on va dire, refouler mes ressentis, mes émotions, et je ne me sentais pas légitime d'exprimer voilà ce que ma peine ou ma douleur, ma souffrance, en fait. Et surtout, je ne voulais pas faire la peine à mes parents parce que c'était aussi... une façon de les protéger. J'avais peur qu'ils aient encore plus mal parce que déjà qu'ils étaient traumatisés aussi par ce cambriolage. Bien sûr. Et moi, ce que je trouve incroyable dans ce livre, c'est qu'on aurait pu attendre qu'il te serve de libération de la parole uniquement. Ouais. Alors qu'en fait, tu pars du postulat que tu libères ta parole et ce livre dit réellement qu'il ne faut pas rester dans la reconnaissance du statut de victime. Et pour moi, il est novateur pour ça parce qu'il y a des milliers de livres qui parlent de la victime, qui parlent des traumatismes des femmes, mais il n'y a pas beaucoup de livres qui incitent les femmes à sortir ensuite, après la libération de la parole, à sortir du statut de victime et à prendre leur destin en main. Tout à fait, c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup de livres de témoignages et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça encourage aussi quand même la libération de la parole. Mais moi, en tant qu'ancienne victime, aujourd'hui, je vais bien, mais c'est vrai que je me dis, voilà, si moi, je cherche des clés pour avancer, comment je fais concrètement, en fait? Comment je fais, moi, pour me libérer à mon tour? Comment je fais pour avancer, me reconstruire? Est-ce que c'est possible? Et ce serait quoi ces clés, par exemple? Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui ont envie de sortir du statut de victime après avoir porté plainte, après avoir libéré leur parole, par exemple? Comment on fait pour ne pas rester coincé, s'enraciner avec une identité qu'on nous a forcée à incarner, de fait, en subissant? Comment est-ce qu'on fait pour reprendre en main notre identité? Moi, c'est vrai que moi, j'avais besoin à un moment dans mon parcours qu'on me reconnaisse mon statut de victime. Et c'est normal. Vrai que moi, j'ai porté plainte. Alors moi, j'ai porté plainte il y a 4 ans, c'était en plein MeToo. Et dans mon cas, il y avait prescription. Donc moi, je suis une victime dite prescrite.
et il n'y avait pas de poursuite judiciaire, mais moi j'ai fait pour la reconnaissance du préjudice subi. J'avais besoin en fait que la société reconnaisse, ça s'appelle un viol sur mineur, et que s'il n'y avait pas prescription, dans mon cas c'était passible de la cour d'assises. J'avais besoin de cette reconnaissance et moi ça me suffisait. Je voulais juste ça, je n'avais pas envie de poursuite judiciaire. C'est normal d'avoir besoin d'être reconnue. Mais pour moi c'était une première étape en fait, qu'on me reconnaisse ce statut. On me dit ok, ben, on reconnaît que vous êtes victime. Je dis ah ok, bah, donc je suis pas coupable. Pour moi c'était important qu'on dise bah ok, vous êtes victime d'un viol, et donc du coup je me dis bah la culpabilité elle m'appartient pas. Ça permet de d'échapper libérer. À la culpabilité en fait. Pour moi ça me permettait de me libérer. C'est intéressant. Je savais que j'étais pas coupable, mais quand même quand on est victime de violences sexuelles, il y a beaucoup de personnes qui portent encore le poids de la honte, de la culpabilité. Bien sûr, on croit toujours qu'on n'a pas réagi assez vite. On aurait pu faire autrement, on aurait pu se défendre, etc. C'est très important de croyance de reconnaître qu'on a été victime. Quand la police te reconnaît, ben vous êtes victime d'un viol, et ben du coup ça veut dire que si on est victime, le coupable c'est pas à soi, c'est l'auteur des actes, donc c'est l'agresseur ou le violeur, et donc la responsabilité, la culpabilité lui appartient. Donc moi, dans mon cas, ça m'a aidé à me dire, ok, ben c'est vrai. C'est émancipateur. Pour moi, ça me libère quand même, même si je savais, puis j'ai fait une thérapie. Mais que la police soit marquée, tu vois, noir sur blanc, je me dis, bah ok, c'est vrai, je ne suis pas coupable, je ne suis pas responsable et je peux continuer à avancer dans et mon parcours. Et tu es restée combien de temps dans ce statut de victime? Alors moi, c'était assez rapide parce que moi, j'avais juste besoin de la reconnaissance et je savais déjà. Moi-même, je l'avais, mais je pense que ça m'a donné comme une autorisation à me le donner à moi, tu vois. Je me dis, ok, ben là, je peux avancer. C'était reconnu publiquement. C'est reconnu publiquement et j'avais besoin de ça, de la reconnaissance publique. Alors, je sais, tout le monde ne porte pas plainte et c'est ok. En fait, j'estime que ça, c'est une décision qui nous appartient. Bien qu'on sûr. Fasse ou qu'on ne fasse pas, on le fait pour soi. Moi, dans mon cas, j'avais besoin de faire un acte inachevé que je n'avais pas pu faire quand j'avais 15 ans. J'avais porté plainte pour le cambriolage, mais pas pour le viol. Donc, c'était comme fermer un peu la boucle. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de rester victime toute ma vie, hein? Parce que là, on me le reconnaît, ça m'aide, mais je me suis dit, mais moi, je ne me reconnais pas. Déjà, dans le mot victime, personnellement, je trouve assez réducteur parce que quand on entend victime, moi, j'entends le mot un peu passive, qui subit, qui n'est pas active, en fait, ou qui n'est pas non plus responsable de sa vie. C'est comme si on m'enlevait mon pouvoir personnel. Ça me met dans une case et cette case est difficile à faire sauter. Ouais, moi, je vois très réducteur. Pant en parle dans son King Kong. Elle dit quoi? Bah, elle dit qu'en fait, la société nous pousse à, une fois qu'on a subi des actes de violence sexuelle, à entrer dans le personnage de la victime et à y rester. C'est ça la décence pour une femme. Et ça la met hors d'elle parce qu'elle se dit non, on peut reprendre sa vie en main et en faire quelque chose justement pour pouvoir après se sublimer et qu'il faut arrêter d'être bloqué dans ça. Et surtout, en fait, à partir du postulat qu'on a été victime pour se construire, on doit vraiment fermer cette porte. Sinon, c'est vraiment nous construire à l'intérieur quand même de cette signification que nous a donné les bourreaux qui nous ont fait ça. Et tout à fait. Pour moi, en fait, le mot victime ou le statut victime, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est le début en fait, d'un processus de libération. En fait. On me l'a donné ce statut, on me l'a reconnu. Et ok, je suis contente. Mais pour moi, c'était un point de départ en fait, dans mon chemin de résilience. C'est que j'avais besoin de ça un moment, mais en fait, ça m'a servi de base. Oui, en fait, tu es restée victime jusqu'à ce que tu libères ta parole. Voilà, alors moi j'ai libéré ma parole un petit peu avant le dépôt de plainte et après ça m'a permis de me dire aujourd'hui je veux plus qu'on me voit comme une victime parce que pour moi une victime ça attire la pitié des gens en fait. C'est vrai que c'est ça. Les gens vont dire la pauvre elle est victime du viol, elle est fichue, elle est plus bonne à rien ou elle pourra jamais être heureuse. Et en fait, c'est moi, le problème je ne veux pas du statut de victime, c'est que ça attire la pitié. Ça attire quand même la pitié des gens. Alors que tout sauf pitié. Et moi j'estime que je ne suis pas victime et j'ai été victime à un moment de ma vie, mais ça fait longtemps que je ne suis plus victime. Donc je préfère dire que je suis résiliente ou je suis survivante et que moi je ne me reconnaissais plus dans ce mot parce que. La résilience, t'as le mot juste, c'est tellement fondateur dans ce que le féminisme doit construire aujourd'hui. C'est-à-dire que les suffragettes d'hier, quand même, ont lancé le féminisme pour inventer une société dans laquelle les femmes ne seraient plus victimes. Mmh. Et le féminisme d'aujourd'hui a parfois tendance à chercher en chaque femme la victime. Donc, on est dans un mouvement contraire et il est primordial de dire que la victime est nécessaire dans sa reconnaissance, mais n'est absolument pas un aboutissement et est essentielle. Voilà, on doit reconnaître quand on a été victime de quelque chose, mais basta, on ne va pas ressasser le passé et se construire en fonction de ce passé. Sinon, c'est une nouvelle fois être une femme objet, être une femme passive parce que, eh bien, on se construit selon ce qu'on a dit de nous, selon ce qu'on a fait de nous. Tout à fait. Et on ne va pas faire une nouvelle forme déclinée de la femme objet en disant des femmes qu'elles sont des victimes éternelles. C'est terrible. Et c'est vrai que moi, c'est une étiquette qu'on ne veut pas porter.
Anya, comment ça s'est passé quand tu es allée déposer plainte à la police? Est-ce que tu les as trouvés à l'écoute? Est-ce que tu les as trouvés Moi, dangereusement? c'était. Moi, comme j'étais mineure, j'étais auditionnée à la brigade de protection des mineurs. Et moi, l'audition avait duré 5 heures. Et moi, je les ai trouvés quand même très à l'écoute et bien formés pour accueillir la parole. Donc, moi, j'ai vraiment, ma Ils t'ont parole a pas toujours remise en doute, été. quoi. Non, ma parole a toujours été bien accueillie. Alors, c'est vrai que dans mon expérience douloureuse, la chance que j'avais, c'est que moi, on n'a jamais pu remettre en doute ma parole parce que moi, c'était un cambriolage qui avait mal tourné. Donc, on va dire que c'est déjà Tout le un monde crime était en soi. spectateur de ce qui Et s'était que passé j'étais obligée, en finalement. fait, entre guillemets, ben, de subir. Et le statut de victime, on me l'a accordé d'office. On s'est jamais, jamais on m'a dit pourquoi tu t'es pas enfuie, pourquoi tu t'es pas débattue. Ben, je pouvais pas parce que j'étais ligotée, bâillonnée. Voilà, j'étais séquestrée. Et donc, ça, la chance que j'ai eue, on va dire, dans cette épreuve-là, c'est qu'on pouvait pas mettre en doute ma parole de Bien victime. sûr. Et donc, Ce qui pour n'est moi, pas le c'était plus cas pour facile. Ouais. beaucoup de gens. Ouais. Pour beaucoup de gens, voilà, on pouvait pas me faire des reproches ou me dire, ben, justifie-toi. Mais moi, d'office, il m'était accordé. Donc, c'était quand même beaucoup plus facile dans mon cas. Et moi, la parole était vraiment bien accueillie. On n'a jamais remis en doute. Et donc, ça m'a quand même aidée dans ma Même reconstruction. Ouais. quand tu as porté plainte plus tard sur le viol. Ouais, jamais on n'a remis en doute parce que dans les circonstances, en fait, du viol, personne ne pouvait remettre en doute. Et en fait, on disait limite, ben, je m'en suis pas mal tirée. C'est vrai parce que je ne suis pas morte. C'est vrai que ben, ils étaient armés, il y avait des couteaux, etc. Enfin, voilà, moi, c'était sous coup de la menace. Il y avait de la violence, il y avait des Wow, on tombe séquestrations. quasi même dans la Donc, barbarie, quoi. voilà, moi, c'est pour ça que j'appelle ça un double crime. Mais bon, peu importe, de toute façon, on n'est pas là pour comparer la gravité. Mais c'est plus facile, c'est vrai, que quand la société ou que les personnes te reconnaissent d'office ce statut et qu'on ne remette pas en question, C'est ça, mais c'est c'est beaucoup plus facile, primordial c'est de. Il y primordial. a, y a différents Oui, tu es en viols. train de dire qu'on remet en question quand il n'y a pas de menace physique, etc. Là, tout de suite, la parole de la fille est tout de suite Et un les petit peu plus. questionnée. Quand on Et met c'est en doute la beaucoup. parole, oui, bien sûr, Ouais. c'est beaucoup Ouais, plus et puis dur. quand t'as pas de témoin, là du coup il y avait quand même le témoin, les témoins de la famille qui avaient subi aussi le cambriolage. Alors pas Voilà. témoin du viol, Ouais. mais témoin de la Mais ils étaient violence. aussi séquestrés, ils étaient ligotés, bâillonnés avec actes de Voilà. torture. Donc, en fait, c'est vrai que on a vécu la même nuit terrible, on va dire, avec ben, des épreuves différentes. Mais c'est vrai que dans mon cas, la chance que j'avais, c'est que c'était impossible de mettre ma parole en doute parce que on était Bien obligé de croire sûr. mon histoire, en fait, on va dire. Et que Et ça rentre c'est. dans les critères collectifs de l'imaginaire collectif d'un viol, en fait. Oui, c'est C'est. ça. C'est qu'on imagine toujours le viol comme une Voilà. femme qui est dans la rue, plaquée contre un mur avec un couteau et Voilà qui est où. violée, Tout à alors fait. que finalement, ça représente très peu Non, des noms. Enfin, bien sûr. souvent, les viols sont intrafamiliaux. Oui, Donc. 90% des cas, bah, l'agresseur, elle est connue de la victime. Et donc, c'est vrai que dans les cas d'inceste ou de viol conjugal, c'est C'est peut-être plus ça. dur Et de le viol est libérer du sa coup parole. quelque Bien chose de sûr. très glissant qui passe d'une interaction avec la personne naturelle à quelque chose qui glisse vers le viol. C'est plus dur du coup de mettre des mots sur à quel moment est-ce que la ligne de crête a vacillé et à quel moment est-ce qu'on n'a pas réagi soi-disant. Alors que bon, on n'est jamais évidemment coupable d'un viol, même si la société a longtemps fait en sorte que les femmes se sentent responsables du viol qu'elles subissaient en critiquant leur tenue, par exemple. Bien sûr, parce C'est. qu'aujourd'hui, ce qui, moi, je trouve inadmissible, c'est que très souvent, une victime de violence sexuelle doit se justifier, en fait. On va lui poser la question, bah, comment tu étais habillée, ou est-ce que tu as dit non, est-ce que tu t'es enfuie, est-ce que tu t'es débattue. Et ce n'est pas une victime justifiée d'actes qu'elle a subi. Si quelqu'un doit se justifier, c'est bien celui qui a commis les actes, en fait. Et c'est Bien vrai que sûr. moi, ça m'arrive d'accompagner des personnes dans mon assaut, ou bah, via des groupes de parole, et des personnes me disent encore bah, que le policier demandait bah, comment vous étiez habillée, ou on a Ça, c'est demandé est-ce inadmissible, que. bien sûr. Ou voilà, est-ce que vous êtes débattu, est-ce que vous êtes enfui? Parfois pas que des policiers, mais même des gens, des professionnels de l'accompagnement, ça peut être des psys, des thérapeutes parfois qui posent la question, mais si vous n'êtes La pas débattu, maladresse voilà, c'est d'un et de maladroit. ces Si gens. vous n'êtes pas débattu, est-ce que vous êtes sûr que vous ne vouliez pas? Mais ça veut dire qu'on émet un jugement, tu vois, Alors, ouais. Et on Anya, ne peut pour parler pas. positif, parce que moi, c'est ce qui me plaît dans ton livre, c'est tous les trucs positifs que tu donnes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de reconstruction une fois que la parole a été libérée? Parce que c'est ça que j'aime dans ton livre, c'est qu'il n'y a que des choses qui vont vers la lumière. Bien sûr, bah, en fait, la première chose, bah, c'est déjà pour moi, bah, comme tu dis, libérer la parole et puis d'accepter en fait ce qui nous soit arrivé. Parce que si on reste dans le déni, pour moi, c'est difficile en fait de changer quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter. Donc la première étape, c'est de bah, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, on va dire. Voilà. Et ce qu'on peut. Est-ce que tu as du coup des clés? Qu'est-ce que tu dis à des femmes qui ont du mal à se considérer autrement que victimes après avoir subi? Ben, moi, je leur dis en fait une phrase, d'ailleurs, ça rejoint celle de Sartre. Il y a une phrase qui a dit Jung et que moi j'adore, qui dit Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. En Ah, c'est fait, génial ça. et pour moi, en fait,
peu importe ce qui soit arrivé, que ce soit des violences sexuelles ou d'autres épreuves dans ta vie, mais en fait, une épreuve, elle peut, ça ne fait pas partie de. Ça fait pas ton identité, en fait, ça fait partie de ton histoire, mais pour moi, c'est un chapitre du livre de ta vie. C'est Mais c'est ça. pas toi en entier. Moi, je ne suis pas un viol, je ne suis pas le viol, en fait. C'est Moi, ça. je suis Anya, en fait. Moi, en entier, dans ma globalité, et on va dire que l'épreuve que j'ai subie, c'est Ne juste te une partie de mon constitue pas. histoire. Elle a Ouais. été un moyen pour toi Ça aussi ne me d'être une constitue guerrière, pas, de tout à rebondir fait. et d'être quelqu'un qui sort Et de là. dire que, ok, c'est d'accord, c'est douloureux, mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je ne serais pas celle que je suis devenue si je n'avais pas appris toutes ces choses sur mon chemin et qu'aujourd'hui, Bien sûr. je peux transmettre. Donc, moi, je dis souvent aux gens bah, qu'en fait, peu importe ce qui te soit arrivé, mais ça ne te définit pas, en fait, c'est pas toi et c'est tu peux choisir ce que Et tu as envie de devenir aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux choisir de ne pas rester victime toute ta vie. voilà. Et ça m'a aidé un jour, tu sais, quand j'ai libéré ma parole au bout de 20 ans de silence, je me suis confiée à un ami et je lui ai raconté mon histoire et tout. Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il ait pitié de moi. Je me dis, il va me dire, un pauvre, c'est horrible, c'est terrible. Et il m'a dit, Anya, ok, d'accord, ce qui t'est arrivé, c'est terrible, mais tu sais, je vais dire quelque chose. Ce qui t'est arrivé, eh ben, déjà, c'est ton passé, mais aujourd'hui, ton présent t'appartient et tu peux choisir de ne pas rester victime toute ta vie. Bah Alors, ça, moi, c'est le meilleur conseil qu'il ait pu me sur le coup, donner. ça m'a un peu choquée. Je dis, mais comment ça qu'il s'y raconte? Mais c'est vrai, parce qu'en fait, je me comportais un peu en victime et je disais, bah, j'attendais qu'on ait pitié de moi et j'attendais Mais tu bah, vois, ce qu'on me qu'il a plaigne, en fait fait, là, mais m'a c'est aidée. politiquement incorrect aujourd'hui, c'est-à-dire Bien qu'on sûr. l'accuserait d'insensibilité. Ah, mais moi, je Alors lui dis que merci. Je justement, lui dis merci à cet voilà. ami, parce que sans cette phrase, il m'aurait dit, ah, pitié, j'ai pitié de toi, c'est horrible, tu peux plus rien faire de ta vie. Ou, bah, moi, ça m'aurait pas aidé. Le fait qu'il me dise, Anya, tu peux choisir et tu peux faire le choix de ne pas rester victime toute ta vie, c'est que. J'ai le choix, et quand on a le choix, on a le pouvoir en fait. Si j'ai le choix, j'ai mon libre arbitre et je peux faire un choix C'est aujourd'hui ça, qui est tu d'avancer. récupères ton Je pouvoir récupère comme ça individuel. ma puissance personnelle. Et pour moi, choix égale responsabilité. Quand je dis responsabilité, ça ne veut pas dire culpabilité, mais c'est que je suis capable de répondre en fait aujourd'hui à une situation. Donc je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé, mais je peux en fait choisir qu'est-ce que j'en fais moi. Alors soit je choisis de bah, rester entre guillemets bah, Victime. passive, on va dire, ou entre guillemets victime, ou soit je me dis OK. Mais d'accord, il m'est arrivé ça, c'est terrible, Je fais le mais choix courageux de ne voilà, pas de d'avancer et de. déresponsabiliser ma vie totalement et de ne plus la prendre en Et main. je choisis de que cette épreuve, elle me définisse pas, en fait. Moi, je voulais vraiment pas une étiquette, en fait, qu'on me colle. C'est Et alors, très. une fois que tu t'es dit ça, est-ce que tu as eu recours à des thérapies? Est-ce que tu t'es fait aider? Comment tu as fait? Parce que c'est super de le définir. Après, il faut l'incarner. Donc, est-ce que ça a été naturel pour toi? Est-ce que tu as fait appel à des personnes extérieures, comment tu t'es sortie de tout Et ça? juste, surtout, n'hésitez pas à commenter parce que les femmes ont toutes une expérience de victime dans Oui. leur vie et il n'y a pas de petite victime, on a toutes subi plein de choses. Donc, vraiment, commentez et faites part de vos témoignages. Je laisse la parole à Amir. Merci. Moi, dans mon cas, c'est vrai que moi, j'ai fait une thérapie chez une psychothérapeute psychanalyste, en fait. Et moi, ça m'a aidée. Et sur quoi j'ai travaillé? Parce que moi, quand même, 20 ans après les faits, eh ben, je portais encore un poids de la culpabilité. Je me disais à un moment, ben, OK, ben, je dormais dans mon lit en petite culotte, c'est peut-être ma faute, la tenue que je portais. Enfin, je portais une. Donc la culpabilité est Ouais. l'élément clé pour toi Pour pour... moi, c'était lever d'abord le poids de la culpabilité. Donc, la culpabilité, la honte qu'on porte, c'est quand j'ai rendu cette culpabilité qui ne m'appartenait pas et que je portais comme un fardeau, si tu veux, c'est le fardeau de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'étais une bonne foi, on va dire, je porte le fardeau de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est Mais clair qu'on se remet toujours en question et quand on je me subit suis dit, quelque mais chose, est-ce c'est que j'aurais terrible. pu faire quelque chose qui aurait fait que ça n'arrive pas? C'est vrai que moi, je me suis longtemps demandé ça, et que j'essayais de changer mon histoire, mon passé, et que moi, la thérapie, ça m'a aidé à lever le poids de la culpabilité. Et ça commence par ça, je vais dire, quand on a vécu des violences sexuelles, de bah, se libérer par rapport à la culpabilité qu'on peut porter ou la honte, et de rendre en fait les responsabilités bah, à celui qui doit les porter. Voilà, on n'est pas responsable du tout de ce qu'on a subi, on n'est ni coupable ni responsable. Et donc, en fait, déjà, rendre, on va dire, les responsabilités acquis de droit, c'est déjà un très bon point de départ. Mais c'est vrai que, enfin moi je trouve que c'est essentiel de dire que quand on subit ce genre d'agression, on a aussi un instinct de survie qui est de dire j'ai peur de mourir, j'ai peur qu'il Oui, soit encore plus grave que ce qui est en train de se passer. bien sûr. Et ça nous force à subir aussi cette situation. Et là on se sent coupable parce que on a aussi eu la réflexion de se dire peut-être que c'est plus sécurisant pour moi de pas trop réagir parce que bah voilà s'il sort un couteau s'il sort Bien quelque sûr, et chose bien c'est un mécanisme de survie. Ça explique que des personnes c'est sont un en état instinct de de. survie c'est Il y a des ça personnes qui sont en état de sidération et ne sont pas en capacité de réagir. On peut être aussi complètement dissocié de son corps et c'est un instinct de survie.
et qu'à ce moment-là, on a plus peur pour sa propre vie, et du coup, ben, rester figé, ne pas pouvoir réagir, et ben, ça arrive très très fréquemment, en tout cas quand on est victime de violences sexuelles ou d'épreuves traumatiques comme ça, et de se dire, et ben, même si on n'a pas pu réagir, et ben, on n'est pas responsable, on n'est pas coupable. Déjà, ça enlève un poids énorme en fait pour les personnes qui C'est ont ça. subi ça. Et ça commence déjà par ça, le départ, c'est, je pense, travailler sur la culpabilité qui nous appartient et de se libérer de charges émotionnelles en fait qu'on n'a pas apportées quand on a été victime de ces actes. Mais moi, c'est ce que j'adore dans ton livre, c'est que justement, à aucun moment, tu as pitié des femmes qui ont subi des choses. Et moi, c'est le discours que je tiens, c'est que je n'en peux plus de chercher en chaque femme la victime comme si c'était un aboutissement pour dénoncer le patriarcat. Bien sûr que le patriarcat nous a fait victimes, nous a fait subir des choses terribles. Mais cette société qui est fondée sur le rapport de force, finalement, a incité aussi les hommes à être ce genre de bourreau. Et on est tous ensemble, alors à différents degrés évidemment, les hommes sont beaucoup moins victimes, mais on est tous ensemble victimes du rôle que la société patriarcale nous a donné à subir et à jouer. Et je crois que voilà, quand tu parles de résilience, dire qu'il ne faut pas s'acharner à rester toujours sur comment est-ce qu'on va faire, on va punir les gens qui nous ont fait ça, mais passer à autre chose, eh bien c'est essentiel. On est dans le résilience, peut-être le pardon parfois, mais en tout cas, on est dans l'acceptation que ce n'est pas quelque chose à subir toute sa vie et certainement pas un moyen de s'identifier à une communauté qui aurait subi exactement les mêmes souffrances que toi, comme si cette communauté te définissait. Non, on est toutes des femmes et on devrait peut-être penser à se construire et à imaginer ce que peut être une femme libre en partant de zéro et non pas en étant encore dans un système de signification qui nous ramène, eh bien, finalement, à la définition que font de nous les hommes en nous faisant subir des actes qu'on ne choisit pas. Alors, Anya, j'ai une question pour toi. Peut-on tout pardonner? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup. D'ailleurs, C'est une bonne question, je ça. consacre un chapitre entier dans mon livre à ça, parce que c'est vrai que dans mon cas, moi, je suis allée sur le chemin du pardon, mais je veux dire que cette réponse, il n'y a pas une réponse, en fait. Parce que ça dépend ce qu'on entend par le mot pardon, en fait. Il y a oubli, peut-être, Alors, qu'il est pour moi, gênant. ben, je pense que le mot pardon, c'est très subjectif. Chacun a sa définition du pardon. Pour moi, pardonner, déjà, c'est pas oublier, c'est pas excuser, c'est pas minimiser les actes, c'est Ah, pas c'est pas approuver les excusé, faits. donc c'est pas Pour moi, pardonné. en fait, pour moi, excuser, ça veut dire lever les charges contre quelqu'un. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça, excuser. Quelqu'un qui fait sa peine, est-ce qu'il est blanchi ensuite? Est-ce qu'il est blanchi ensuite? Ben, pour lui, il fait sa peine. Je pense qu'il y a un chemin de rédemption, sans doute après. Mais pour moi, pardonner, ça veut pas dire du tout, en fait, que ça veut pas dire oublier, ni justifier, ni approuver. Pour moi, pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est ma définition à moi, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, j'attends pas, en fait, que de l'extérieur ou de la société, qu'on me donne quelque chose. Pour moi, pardonner, ça veut dire que c'est surtout pour moi un pardon à soi, on va dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je refuse que des émotions telles que la colère, la haine, le désir de vengeance, le ressentiment Qui est soient, destructeur plus voilà, soient comme que... c'est des poisons émotionnels, soient ces émotions qui guident ma vie. Hein. Donc moi, je refuse que ce soit ça. Je refuse aussi que le malheur d'un homme, ou d'attendre le malheur d'un homme, en fait, qui va me permettre le chemin vers le bonheur. Et en fait, Ça, non, parce mon que c'est bonheur, terrible de se reconstruire si j'attends que sur la les fondements de personne la aille en violence prison, à inverser, bien quoi. sûr, pour moi, en fait, on ne peut pas répondre la. Oui, la violence que j'ai subie, je peux pas la réparer en rendant la violence, en fait, tu vois. Et pourtant, moi, pendant longtemps, j'étais quand même dans la haine, la colère, Mais j'attendais est-ce que quelqu'un souffre. que quelqu'un qui fait sa peine est lui aussi enfermé dans l'identité de ce qu'il a fait à une époque? Est-ce qu'il n'est pas ce qu'il a bien sûr ce qu'il a fait est terrible et n'est pas pardonnable, mais est-ce qu'il est encore condamné à devoir être ce monstre qu'il a été à un moment donné? Tu veux dire, est-ce que les actes qu'il a faits font partie, le définissent, c'est ça? Tu veux dire Est-ce un que de la petit même peu pareil, manière la même. Ouais. qu'on est victime à un moment donné, est-ce que de la même manière est-ce qu'on est bourreau toute sa vie? Bah, je pense qu'à un moment, bah, on peut aussi faire le choix de se défaire de cette étiquette. Et peut-être que dans ce cas, c'est peut-être plus difficile, en fait, de se faire. Je ne sais pas, c'est plus dur ou pas. Mais je ne pense pas qu'en fait, des actes définissent quelqu'un, en fait. Sauf si tu choisis.
Ça le définit un instant T pour moi, mais pas sur la durée. C'est-à-dire, ça fait partie de lui, ça fait partie d'une facette de lui, en fait. Parce et que il est libre d'en faire autre chose, on est d'accord. Mais je pense qu'à un moment, on a peut-être tous été un peu bourreaux dans notre vie, ou on a tous été aussi victimes dans notre vie. Bien sûr, on n'a peut-être pas fait des actes répréhensibles par la loi, mais je pense qu'on a tous fait parfois du mal à quelqu'un, et donc à un moment, on a tous été un peu bourreaux, en fait. Est-ce que toi, Juliette, tu t'es sentie victime un jour? Oui, je me suis sentie victime un jour et oui, j'en suis sortie parce que je suis, c'est pour ça que je me suis retrouvée dans ton livre, Anya, je suis de la trempe des, je vais de l'avant et je passe à autre chose très vite. Alors après, évidemment, c'est très, comment dire, c'est en fonction du préjudice que tu as subi aussi. Moi, je n'ai pas eu de violence sexuelle aussi forte, en tout cas, que celle que tu décris dans ton livre. J'ai eu des attouchements, des agressions, mais qui étaient plus légères. Donc peut-être que le traumatisme était moins fort. En tout cas, j'ai vite essayé de passer à autre chose. Ouais. Et dans ce que tu dis, Juliette, je trouve que c'est vraiment important quand tu dis est-ce que c'était moins ou pas douloureux. Je crois que la sensibilité de chaque femme vient rendre l'importance de ce qu'on subit. C'est-à-dire, quand il y a eu cette fameuse dispute des tribunes des Catherine, pour moi, en fait, le problème qu'il y avait dans ces deux tribunes, c'est qu'elles ne prenaient pas en considération la sensibilité de chaque femme, l'expérience de chaque femme, et c'est qui on est, en fait, qui, face à l'agression, nous donne ou pas la capacité de le vivre de manière plus ou moins forte. Et il n'y a pas de plus petites agressions, il y a comment est-ce que chaque femme le subit en fonction de qui elle est et de ce qu'elle a comme expérience et comme background pour supporter cette chose-là. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord avec aucune des tribunes qui se disputaient et qui disaient qu'une main au cul, c'était rien dans l'une et que dans l'autre, il fallait reconnaître toutes les violences. Je crois qu'il ne faut pas faire des femmes des victimes de chaque élément sexiste dans la société, qu'on ne réagit pas toutes de la même manière face à ce qu'on subit. Et qu'il faut reconnaître ça, c'est que chaque femme est différente, chaque femme est armée différemment, et qu'on n'a pas non plus à demander à une femme d'être aussi forte qu'une autre, on n'a pas non plus à demander à toutes les femmes de faire un traumatisme d'un élément qu'elles, elles ne vivent pas comme un traumatisme. Quand tu parles des Catherine, tu parles du pouvoir d'importuner, etc., du droit d'importuner, c'est ça ? Exactement, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une incompréhension entre des femmes qui finalement avaient, dans certains cas, l'expérience, vécu une vie avec bien sûr un sexisme prégnant, ce qui est le cas de Catherine Deneuve. Elle a vécu dans une société très sexiste, elle a appris à gérer ça, elle a appris à ne pas se faire un monde d'hommes qui lui ont fait souvent, à mon avis, en tout cas peut-être des attouchements ou en tout cas des avances très très sexistes. Et Elle est armée, c'est quelqu'un qui est armé par son background. Et on ne peut pas dire ensuite que chaque femme doive répondre à cette armure qu'elle est là. Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé ça maladroit, en fait. Exactement, mais de la même manière, le tribune... Et décalé par rapport à la libération de la parole qui fait un bien fou à toutes ces femmes, tu vois. Exactement. Ça, un peu, voilà. C'était maladroit, mais l'autre tribune était maladroite aussi pour moi parce qu'elle ne laissait pas le choix aux femmes de ne pas s'en faire un cas très grave. Oui. Et parfois, on a le droit aussi de subir des choses et puis de passer à autre chose, quoi. Bien sûr. Enfin, moi, j'ai subi beaucoup de violences sexistes dans ma vie, surtout dans le milieu universitaire, parce que c'est comme dans la politique, les mecs sont vraiment, ils ont un rapport au pouvoir qui est lié à leur poste, et le fait de réagir tout le temps en les affichant publiquement lors de colloques, en dénonçant ce qu'ils faisaient, etc., eh bien, ça m'a permis de ne jamais me sentir victime de ce qu'ils faisaient, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être actrice, parce que dans la monstration du ridicule de ce qu'il faisait et dans le renoncement, alors que j'ai quand même subi des attouchements, etc. Mais j'ai le droit aussi de dire que je me suis pas sentie victime parce qu'en l'occurrence, j'ai fait ce que j'ai pu pour ne pas me sentir victime. Alors, Anya, ce que je trouve magnifique quand tu dis se pardonner soi-même, je te demande pardon de m'être oubliée, je te demande pardon de m'être jugée, je te demande pardon de m'en être voulu. Je demande pardon d'avoir cessé de m'aimer. Je te demande pardon d'avoir fermé mon cœur. Une fois que tu t'es pardonné toi-même, c'est là que tu retrouves ton vrai pouvoir, tu penses ?
après ça. En tout cas, moi, je veux dire qu'on retrouve le chemin de la paix intérieure. Et j'ai remarqué quelque chose, tu sais, Juliette, le plus dur parfois, c'est pas de pardonner à l'autre, en fait, mais c'est de pardonner à soi-même. Et le chemin du Ouais. pardon à soi, Et parce que du coup, tu te c'est sens beaucoup plus coupable, c'est dur. pour ça qu'il faut que tu te pardonnes. Moi, j'avais du mal aussi à pardonner parce que je pense, oui, je me dis, bah, peut-être que ça aurait pu pas m'arriver, peut-être que c'est mon karma, peut-être que je l'ai mérité. Bon, tu vois, j'avais des pensées comme ça. J'étais très jeune aussi à l'époque. Hein, voilà, j'avais pas non plus d'expérience, Ouais. j'avais mis de rapport avant. Mais je trouve que le pardon à soi, c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, c'est aussi se pardonner soi, bah, moi, la petite fille que j'étais, la femme aussi que j'étais, mais pardonner moi aussi de ne pas avoir parlé pendant 20 ans parce que j'aurais pu faire différemment. C'est vrai, voilà. T'en as jamais parlé à quelqu'un pendant 20 ans? Non, moi j'ai choisi de me taire et je pense que c'est, il n'y a pas de hasard. Même à ta famille, même à ton mari, tu l'as jamais dit. Mon mari, je lui ai dit quand on est sortis ensemble, c'est vrai, pendant quelques années avant que ça aille plus loin, je me suis sentie comme un devoir, tu vois, pas respect pour qu'il sache. En fait, j'avais besoin de quoi, tu vois, ça, c'est lié à Sentir l'acceptation. impur, en J'avais fait. non, j'avais besoin qu'on m'accepte telle que je suis, en fait, c'est-à-dire moi en entier avec mon histoire dans ma globalité et pas par petits morceaux. Je voulais pas qu'on accepte que des parts de moi que je montre. Moi, pendant longtemps, j'ai porté un masque, tu vois, le masque de Madame Parfaite, et je voulais qu'on m'accepte. Bah, moi, Anya, avec, on va dire, ma vulnérabilité, mes failles et mes forces. Et tu avais Et c'est peur pour... que cet aveu puisse lui faire croire que tu étais moins désirable? J'avais peur du rejet, en fait, qu'on m'accepte C'est pas fou telle ça. que je suis. Et c'est vrai que dans mon cas, bah, après, j'étais très jeune à l'époque, je lui ai dit, je n'ai pas raconté dans les détails, puisque j'estime que bah, je racontais ce qui était entendable pour l'autre. Et comme lui aussi, il était jeune, il était un peu... Bah, il n'était pas prêt à entendre ça et j'ai compris qu'en fait mon histoire à ce moment-là C'était était un peu encore cho elle sacrifié, était quoi. choquante parce que je pense que à recevoir tout le monde n'était pas prêt à recevoir cette histoire, tu vois, c'est quand même il y a la violence. Et dans mon cas, je me suis dit, ok, ben je vois que c'est quand même choquant ce que je raconte, et ben je me dis, ben peut-être qu'il faut mieux que je me taise parce que je vois que c'est pas entendable en fait, mais Donc, tu c'était une façon de sacrifies protéger. encore dans ta. Tu te Je ne sais pas si censures. c'est un Tu te censures. sacrifice, mais je vais dire, eh ben, c'est une façon de protéger aussi l'autre. Et je me suis dit, peut-être que j'avais peur, tu sais, vraiment qu'on ne m'accepte pas tel que je suis. C'est vraiment ça, en T'avais fait. peur que ça Parce que t'ait. moi-même, je ne m'acceptais pas avec mon histoire aussi. Tu vois, c'est paradoxal, tu vas me dire, mais Ouais. moi-même, j'avais du mal à accepter cette part de moi, parce que c'est vrai que je me suis sentie, comme tu dis, ben, inférieure, souillée, impure, C'est ça. Moi, c'est ce qui dévalorisée. Ça revient touchait à chez ma les victimes que valeur, j'entends, ça c'est qu'elles se touchait sentent, à ma valeur voilà, personnelle, et elles je me se sentent sens... rabaissées parce qu'elles ont vécu. Je me sentais imparfaite et c'est vrai que le chemin du pardon à soi, ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté un apaisement, une sérénité, une paix intérieure parce que je me pardonne bah, d'être celle que je suis et je me pardonne de ne pas avoir parlé avant. Je me pardonne de ne pas avoir pu porter plainte plus tôt. Je me pardonne pour ce chemin-là en fait parce que je me dis j'ai fait le meilleur choix possible à chaque étape dans ma vie et que je ne pouvais pas faire autrement et que quand si je pouvais pas parler, eh ben c'est qu'à ce moment-là c'était le meilleur choix pour moi et je m'en veux pas en fait. Je me pardonne de C'est ne pas ça. avoir fait d'autres choix. Donc, du coup, c'est ce que Donc tu c'est dis la à bienveillance quelqu'un. envers soi-même. Ouais, c'est. Je dis ça aux gens que j'accompagne de s'auto-flageller parce qu'on a, bah, ouais, on est souvent, voilà, les humains sont ça, on se sabote, on s'auto-flagelle, on se critique et on est très très bon pour ça, hein, pour se juger. Mais moi je dis aux personnes, en fait, tu as fait de ton mieux à chaque instant dans ta vie et tous les choix que tu as fait dans ta vie, tu les as fait bah, au mieux avec les informations qui t'étaient données. Mais de toute Et façon, je voilà, je ne crois pouvais qu'on pas faire est autrement. toutes victimes de soi-même. On est victime de C'est-à-dire, soi-même et on de est les ses pires bourreaux pour jugements. soi-même, Voilà. ça c'est Et sûr. le pire bourreau, tu as raison, c'était moi-même, c'était moi qui me critique, c'est moi qui me dévalorise, c'est moi qui me juge et que j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû faire ceci, cela, mais on peut toujours faire des scénarios dans C'est sa ça, tête. mais c'est pour ça que c'est indispensable, puisqu'on est les bourreaux de soi-même, à toujours se culpabiliser des choses horribles que Bien nous sûr. ont fait les autres. Et C'est pour... indispensable qu'on se rappelle qu'on est forte et que depuis la nuit des temps, les femmes subissent des choses et que pourtant, malgré tout, elles sont incroyables et que bien sûr on n'a plus à les subir, mais qu'il faut absolument qu'on arrête d'être les bourreaux de soi-même. Absolument d'arrêter de s'auto-flageller, d'être son propre critique et juge, en fait. C'est la voie la plus sévère, hein, tu sais, celle qu'on a envers soi-même. Et se libérer de ça et de se dire, ben, ok, ben, voilà, je m'accepte moi tel que je suis aujourd'hui avec mon histoire et que je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Est-ce Je que c'est m'aime et je plus me violent, même pardonne. ces 20 ans d'incrimination de ta part sur toi, que ce que tu as subi? Souvent, ben, c'est vrai que c'est une violence que je me faisais subir. Et tu sais, la colère, moi, dans mon cas, j'avais pas la colère envers les autres. Mais j'avais la colère contre moi-même et cette colère, je la retournais contre moi. Ce qui explique qu'il y a des personnes bah, qui vont peut-être aller dans l'autodestruction, l'automutilation, des choses comme ça. Parce que souvent, la colère, tu peux la retourner contre toi. Et moi, c'est vrai que moi, ça se manifestait avec bah, beaucoup de ruminations où je m'auto-flagellais, où j'avais des pensées bah, pas très positives pour moi-même. Et en fait, ramener de la douceur, faire preuve de bienveillance envers soi-même,
bah, moi, ça m'a énormément aidée dans mon parcours, de me dire, eh ben, j'ai fait de mon mieux et voilà, je suis fière de celle que je suis fière de la petite fille que j'étais et de tout ce que j'ai fait à chaque instant de ma vie. Je ne pouvais pas faire mieux. Et donc, j'accepte que mon mieux d'avant soit celui-là et que mon mieux d'aujourd'hui soit autre chose parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas la même, forcément. Bien sûr. J'ai évolué, j'ai une maturité que je n'avais pas à l'époque et je me dis, ben, voilà, je me pardonne à chaque étape de ma vie. C'est comme si je me faisais une réconciliation intérieure avec moi-même, l'enfant que j'étais, la femme que j'étais, à toutes les étapes de ma vie. Tu vois, c'est comme si je me retrouvais moi en entier, complète. Tu vois, je suis plus en petits morceaux. Tu vois le pardon. Enfin, moi, par exemple, la chose qui m'est arrivée, bah, j'ai proposé à la personne qui m'avait fait ces violences. Je lui ai dit, bah, soit je porte plainte, soit je vous accompagne chez le psychiatre. Et on règle ça parce que lui-même avait été victime de viol pendant plus de 6 ans par son prof de musique. Et c'est très fréquemment le cas d'ailleurs. C'est que ça. Il était une victime qui ne s'était pas réparée et qui du coup devenait bourreau parce que par manque de réparation. Bien sûr, et que lui refait subir les mêmes violences qu'il a subies lui-même dans. Voilà, et cette attitude-là, moi, elle m'a permis de ne pas du tout être traumatisée parce que d'être de suite dans l'idée qu'il fallait. Bah, que c'était un être aussi à réparer. Je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, on n'est pas toutes face aux mêmes violences, mais en tout cas, cette attitude-là, moi, m'a permis de ne pas être traumatisée du tout, quoi. Oui, non, mais tout à fait, parce que oui, tout à fait, je comprends. Ouais. Mais j'avais aussi la chance de savoir ce qu'il avait subi et pourquoi, du coup, il en venait à ça. Oui, tu avais connaissance de son histoire, en fait, donc tu avais quand même une sorte de, peut-être, de compassion pour ce qu'il avait. Alors, pas de compassion, mais en tout cas, ça me permettait de comprendre pourquoi est-ce qu'il était capable d'actes monstrueux à un moment donné et d'essayer de voir plus loin que le désir de vengeance. Quoi. Et c'est très important ce que tu dis, Céline, parce que c'est vrai que dans le cas de violence sexuelle, eh ben, ça, on n'y pense pas souvent, mais que les agresseurs, eux-mêmes, la plupart du temps, ont eux-mêmes été victimes à un moment de leur vie. Alors, bien sûr, ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais ça peut permettre de comprendre que les gens qui n'ont pas soigné leurs blessures, en fait, ont un tel mal-être ou peut-être mais de la colère, c'est etc. C'est le danger de rester dans le statut de victime, c'est que ça te déresponsabilise totalement et que devenir bourreau, tu te l'expliques parce que toi-même, tu as été victime. Et tu deviens responsable aussi à un moment donné. Tu es responsable de tes actes, mais c'est vrai que des personnes voilà, qui ont subi ce genre d'actes et que tu n'as pas fait de parcours personnel en fait, vers ta reconstruction, ben, c'est vrai qu'à un moment, ben, tu t'extériorises parfois ben, cette énergie de violence, de colère, des choses que tu portes depuis des années. Et souvent, ben, soit tu la retournes contre toi ou soit tu la retournes contre les autres. Alors, c'est vrai que moi, je la retournais plus contre moi-même parce que je me critiquais beaucoup. Et c'est vrai que pour moi, le pardon, en fait... Alors, moi, mon livre, ce n'est pas du tout une injonction à pardonner parce que c'est un choix qui est personnel. Hein, comme il n'y a pas d'obligation non plus de porter plainte, c'est un choix qui est personnel. Mais pour moi, ça m'a apporté, en fait... ben vraiment une paix intérieure et que je me dis ben tu sais en fait je me suis dit mais je sais même pas si lui il mérite le pardon, ça se trouve l'agresseur il ne mérite pas que je lui pardonne, mais peu importe, moi je pardonne pas pour lui, je fais pas un cadeau, mais moi je fais un cadeau à moi-même parce que moi aujourd'hui je mérite la paix intérieure, moi je mérite une vie meilleure. Mais il faut mettre cette injonction au pardon parce que je crois que c'est très réparateur et que les femmes se libèrent. Alors, je vais pas dire à tout le monde qu'il faut faire ça parce que il faut c'est une injonction mais pour moi dans mon cas. Mais quand on voit l'histoire d'humanité des femmes, la résilience chez les femmes est quelque chose qui leur a permis de subsister en tout cas, malgré... T'as raison, Céline, t'as raison. S'il y a une personne à qui il faut pardonner, c'est peut-être pas pardonner forcément à l'agresseur, mais c'est se pardonner soi. C'est nous-mêmes qui méritons, en fait, le peut-être pardon. C'est nous-mêmes qui méritons la libération. Peut-être qu'on doit apprendre à ne même plus avoir à se pardonner parce qu'on devrait même pas avoir à être un bourreau pour soi. Eh ben ça, ce serait bien. Ce serait le top. Mais c'est ça, la chose à laquelle il faut arriver. Que les femmes arrêtent de se... Mais sur le pardon, il y a une phrase qui est très, très juste, hein, qui est dit par... quelqu'un qui s'appelle Smets, un Américain, qui dit en fait, pardonner, c'est libérer un prisonnier et c'est se rendre compte que ce prisonnier, c'était soi. Et c'était clair, moi, je me suis dit, en pardonnant moi, mais je me suis libérée. C'est comme si moi, je détenais les clés de ma prison, en fait. Et surtout, tu redeviens sujet. En fait, le problème de la victime, c'est que tu es passive. Et à un moment donné, les femmes ne sont pas que des êtres passifs, même quand elles ont été des femmes objets dans notre histoire. Moi, j'estime les femmes que... agissent et pensent, elles sont capables, même dans la résilience. La résilience est un acte de pouvoir, c'est-à-dire qu'on reprend le pouvoir sur l'agresseur et qu'on choisit de déterminer quelle situation on a vécue. Tout à fait, mais c'est pour ça qu'en fait, je trouve qu'il faut faire attention aux mots. Mais moi, j'estime qu'une personne qui commence à, par exemple, à libérer sa parole ou en parler ou avancer dans son parcours, mais c'est déjà plus une victime, en fait, parce qu'elle est active dans un processus, en fait, elle avance vers un mieux-être dans sa vie. Bah, pour moi, elle est, on va dire, voilà, elle est résiliente, la personne, elle est survivante, ou le mot que tu veux, mais elle est tout sauf victime. C'est ça. Parce qu'elle n'est pas... Elle ne subit plus, en fait, sa vie. Du moment qu'en fait, dès que tu reprends
les commandes de ta vie, tu deviens le pilote de ta vie, on va dire, ou actrice de ta vie. Bah, t'es déjà sortie de ce statut de victime. Tu l'as bien. Pour donner des conseils, Anya, parce que je reçois plein de messages moi pendant que vous parlez. Ah oui. Oui. Comment donc tu aiderais une femme qui aurait besoin donc finalement de rejoindre ton collectif? Est-ce que tu peux redonner un peu les façons de rejoindre tes groupes de parole? Et qu'est-ce que tu les fais faire, leur fais faire pour aller mieux dans une séance? Il y en a qui demandent si la méditation peut aider. Enfin, qu'est-ce que tu fais comme méthode? Comme méthode. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas une méthode en particulier. Après, ça dépend qui anime le groupe et si on met un thème. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la méditation, ou en tout cas, s'ancrer dans le moment présent, c'est vrai que ça peut beaucoup aider parce que souvent, on a tendance à soit fuir le présent, soit on reste dans le passé, ou soit on se réfugie en fait dans le futur en anticipant l'avenir. Donc, moi, comment je fais? Déjà, si on veut rejoindre les groupes de parole de l'association, on peut aller sur le site internet de l'asso, c'est lesresilientes.com, ou m'écrire un mail à anya@lesresilientes.com. Mais moi, je fais, quand j'anime des groupes de parole ou quand c'est des bénévoles qui m'aident à animer des groupes, déjà, en fait, on pose le cadre, en fait, on le fait dans un cadre de confidentialité, de respect, de bienveillance, de non-jugement. Alors, j'ai non-jugement parce que ça, c'est fondamental, en fait, d'accueillir la parole sans juger. Il y a un temps d'écoute aussi, un temps de parole équitable, et moi je force pas les gens à parler en groupe de parole. Donc j'estime que si la personne elle n'est pas capable de parler, c'est ok, parce que rien qu'écouter, déjà je trouve ça hyper puissant en fait. Et la personne n'est pas non plus forcée à raconter son histoire, parce que les gens en fait déposent ce qu'ils sont capables de déposer, et tout est juste en fait à l'étape où la personne est à son parcours en fait. Donc c'est vraiment important de poser le cadre. Et après, souvent, ça part autour d'un thème. Donc, sinon, ça peut être un groupe de parole libre. Et en fait, on se présente, on dit chacun comment on va aujourd'hui, sa météo du jour. Et puis après, aussi, cette douceur qu'apporte le groupe. Il y a beaucoup de douceur, de bienveillance. Qui est importante pour après un acte violent. Et c'est vrai que le fait d'être dans une communauté de personnes qui a vécu des épreuves similaires, il y a tout de suite une compréhension entre nous. Il y a aussi... on peut se reconnaître en fait dans le parcours de l'autre personne. Il y a quand même une résonance qui se fait facilement. Et le fait qu'on soit là, c'est qu'il y a un cas de confidentialité. Les gens ne se connaissent pas, mais qu'en fait, c'est un espace sécur et bienveillant pour déposer sa parole. Qu'il y a un espace, c'est-à-dire fermé. Parce que moi, ce que je trouve un peu dangereux, c'est que, par exemple, aujourd'hui, quand on retrace l'histoire des femmes, on se dit qu'elles ont été des femmes objets, que forcément elles ont subi et qu'elles n'ont rien fait. Or, les femmes sont des créatrices depuis l'histoire de l'humanité, et c'est pas parce qu'elles ont subi qu'à côté elles n'ont pas agi et qu'elles n'ont pas fait autre chose. Et quand on a un traumatisme, on reste fixé dans ce traumatisme et on se cantonne à ce traumatisme, on se cantonne à une identité qui vient corroborer ce traumatisme. Or, à côté, on a réalisé des choses, on a fait des choix, on a été des personnes. Et que ce soit... Enfin, par exemple, le patriarcat nous mène à croire qu'il n'y a pas eu d'écrivaine femme, qu'il n'y a pas eu de sculptrice femme, qu'il n'y a pas eu de peintre femme. C'est faux. Parce que l'idée même que la femme est passive et a subi nous fait penser qu'elle n'a pas agi à aucun moment. Or, c'est primordial pour moi que les victimes savent que même... quand elles ont subi cela, à côté, elles ont aussi vécu et elles ont une vie, et que cette vie n'est pas limitée à ça. Quoi. Bien sûr, mais d'ailleurs, tu as raison. C'est pour ça que mon asso, d'ailleurs, s'appelle Les Résilientes, hein, parce que j'aurais pu l'appeler victime de viol ou violence sociale. Bien sûr. Mais pour moi, c'est un mot où je ne me reconnaissais tellement pas dedans. C'est pas du tout... parce que moi, personnellement, je ne connais aucune victime qui a envie de rester victime toute sa vie. Enfin, moi, j'en ai jamais rencontré, en tout cas, dans mon asso. J'en connais pas. Pardon, il y en a une qui me demande si tu utilises la PNL ou le MDR. Tout à fait. Alors, moi, je l'utilise parce que moi, je suis coach et je suis thérapeute. Hein, je fais la thérapie brève. Je fais même de l'hypnose ericksonienne. Je fais la PNL, qui est de la programmation neurolinguistique. Et je fais le MDR aussi. Et c'est vrai que ça aide, en fait, à traiter tout ce qui est état de stress post-traumatique, par exemple. Et c'est des outils très efficaces. Moi, tout ce qui est thérapie brève, je trouve que c'est quand même efficace en fait, pour accompagner des personnes. Et d'ailleurs, tu as aidé l'année à moi qui a découvert 20 ans plus non, même 30 ans plus tard, qu'à 4 ans, elle avait été victime de viol par son grand-père. Parce qu'il y avait de l'amnésie traumatique dans son cas, et c'est fréquent, c'est vrai, quand on a vécu des violences sexuelles dans l'enfance. Et d'avoir de l'amnésie traumatique et de retrouver la mémoire des années, voire des dizaines d'années plus tard, c'est fréquent. Et malgré le fait qu'elle ait oublié, il a été indispensable pour elle de le reconnaître, parce que jusqu'alors, on l'avait traitée limite de folle, elle était en hôpital psychiatrique, elle accumulait les dépressions, et ça a été un élément déclencheur. On ne la croyait pas, en fait, c'est ça.
Ben non, mais même elle ne savait pas. Enfin, moi, ouais. Je me souviens, on a cherché pendant mais des années ce qui pouvait susciter chez elle toutes ces folies, toute cette instabilité. Et ça a été pour elle un élément réparateur et stabilisateur parce qu'elle savait enfin pourquoi elle était. Et c'est pour ça que c'est important quand tu as vécu ce genre de violence, de se faire accompagner par des personnes. En fait, qui sont capables d'accompagner sur cette problématique. C'est vrai que dans le cas de violence sexuelle, il y a plein de personnes qui n'ont pas cette spécialisation, on va dire, ou qui sont peut-être pas capables. En fait, il faudrait peut-être dire que les femmes sont tellement formées, victimes en nombre. C'est-à-dire bien que le nombre des femmes victimes est énorme. Qu'il faudrait toutes qu'on fasse une analyse pour savoir, parce que finalement, on ne sait pas si on a fait un comment oui, peut-être une amnésie traumatique, c'est ça. Voilà. Parce que voilà, enfin, c'est quoi ? C'est l'ordre d'une femme sur quatre, c'est pas ça ? Alors, c'est vrai que les chiffres officiels, les statistiques, elles sont, à mon avis, peut-être largement en dessous de la réalité, mais je crois il me semble que c'est une femme sur sept, en fait, c'est ça ? Un homme sur 15 ou quelque chose déjà, comme ça. Mais un enfant sur 10. Je crois que c'est un enfant sur 5. Elle subit une sorte de pédophilie, enfin, d'inceste. Moi, c'est déjà énorme. Par rapport aux chiffres de nous toutes, eux, ils marquent un enfant sur 5. Donc, un enfant, c'est moins de 18 ans. Pas l'inceste, mais violence sexuelle. C'est 1 sur 10 pour l'inceste. Pour l'inceste, peut-être. Ouais. Violence sexuelle. Je me disais, ça fait 3 personnes dans ma classe, c'est énorme. Mais c'est ce qui est énorme, c'est vrai, tout à fait. Et qu'une personne, en fait, aujourd'hui, qui veut libérer sa parole, déjà, et si quelqu'un se confie à nous, une des choses à dire, c'est vraiment de dire je te crois, ce n'est pas ta faute, tu n'es pas coupable, je suis là pour toi. Et d'être là et de ne pas remettre en fait en doute la parole de la personne. Déjà. Et surtout, quelque chose que je recommande, si quelqu'un se confie à vous, de jamais dire à une victime, poser la question pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi tu étais là-bas, pourquoi tu t'es pas enfui, ou parce que la question t'es pourquoi. Sûr. Moi, c'est le truc qui m'a vraiment heurté. Voilà, c'est-à-dire, des questions, pas de questions où la personne doit se justifier, en fait, parce qu'une justification, ça remet en cause sa parole et ça n'encourage pas du tout la personne à se libérer. Donc, c'est vraiment d'accueillir. Elle-même doute. Et donc, si on n'est pas capable, de renvoyer les personnes vers des assos, il y a des numéros d'appel gratuits, vers des professionnels de l'accompagnement. Mais c'est vrai que, moi, je conseille aux personnes qui ont vécu ça. De se faire accompagner, parce qu'un chemin quand même de reconstruction, le faire seul, c'est quand même plus long et plus difficile en fait que quand tu es soutenu, accompagné par personnes qui peuvent t'aider. Et aussi que les femmes se sentent légitimes d'appeler ou de demander de l'aide, parce que souvent, elles ne se sentent pas assez victimes pour demander de l'aide. Moi, je pense qu'il n'y a pas de degré de combien on est victime pour demander de l'aide. Pour moi, au contraire, demander de l'aide, moi, pendant longtemps, je n'ai pas osé demander de l'aide, je n'ai pas osé aller voir consulter, parce que je pensais que c'était un signe de faiblesse. Et au contraire, en fait, demander de l'aide, se faire accompagner, franchement, il en faut de la force, il en faut du courage, il en faut aussi beaucoup d'humilité, en fait, pour demander de l'aide. C'est ça, parce que c'est rendre public ta violence. Quoi. Et c'est un message. Je ne sais pas si tu as vu, Juliette, on a un message. Ah, j'étais en train de lire les Ho'oponopono de ton livre. En fait, on n'a pas parlé du vocabulaire et des Ho'oponopono, et ça m'intéressait aussi. Alors, pardon, je vais d'abord faire mon message, excusez-moi. Alors, Claire. J'ai pu assister à un groupe de parole d'Ania samedi dernier, c'était le premier. Et tous ces témoignages et cette force de vie qu'on peut tous avoir, les victimes, c'est juste magnifique. Donc voilà, en tout cas, moi j'encourage celles qui ne connaissent pas encore à venir parce que ça fait énormément de bien. Génial. Merci pour vos témoignages. En fait, c'est des groupes de parole. J'en anime tous les week-ends aussi. Je fais des groupes de parole en visioconférence, donc dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc moi, en tant que coach et thérapeute, c'est pas ceux de l'asso. Et c'est des groupes de parole, en fait, pour des personnes qui sont peut-être à Paris, mais souvent, j'ai des personnes aussi à l'étranger, des personnes qui sont en province et qui n'ont pas forcément accès à des groupes de parole. Et moi, j'en anime comme ça régulièrement le week-end. Et donc moi je fais des groupes de parole mixtes, c'est vrai qu'on parle beaucoup de femmes, mais je fais aussi des groupes de parole pour les hommes aussi, parce qu'ils sont quand même nombreux à avoir subi des violences sexuelles. Et c'est des espaces de parole. Alors, c'est vrai, moi je fais des groupes de parole mixtes, moi ça me tient à cœur de faire des groupes mixtes. Au début je faisais beaucoup de groupes de femmes, après j'ai commencé à faire des groupes mixtes. C'est intéressant parce que le féminisme du MLF par exemple, et je comprends, ont vraiment mis en avant la nécessité des groupes de parole non mixtes. Des groupes genrés, tu veux dire ? Oui, parce que les femmes n'osaient pas justement libérer leur parole face à un homme, ce qui est compréhensible. Oui, en tout cas, à l'époque, en 1970, la parole des femmes était tellement pudique, et on le voit même dans leurs gestes, quand on regarde des vidéos de Lina en noir et blanc, etc. Les femmes, même dans leur rapport au corps, etc., étaient très, très pudiques, et il était essentiel pour qu'elles puissent se confier que les groupes soient non mixtes.
Et c'est génial si aujourd'hui les femmes se confient alors même que les groupes sont mixtes. Oui, mais parce qu'elles sont avec d'autres hommes qui ont subi aussi des violences similaires. Donc voilà. Elles ne sont pas finalement face à des bourreaux. Ouais, mais à l'époque, ce n'était pas possible. Et je trouve qu'il y a du coup une avancée si cela est possible. Alors ça, c'est vrai que c'est plus récent. Au départ, quand j'ai commencé à faire des groupes de parole il y a 3 ans, j'ai commencé par des groupes pour les femmes. Et après, tu sais, moi, j'ai commencé à avoir la demande d'hommes parce qu'en fait, au départ, avant que ce soit une asso, Les Résilientes, c'est d'abord mon blog personnel où je racontais mon parcours de reconstruction. Donc, je publiais des articles. C'est comme ça que ça a donné naissance à mon livre, en fait. Tu vois, et après, j'ai eu des hommes qui ont commencé à m'écrire en 2019 en me disant, bah, Ania, les articles que tu partages, je me reconnais dans ce parcours. Je suis un homme, est-ce que tu fais des groupes de parole pour les hommes ou est-ce qu'il y a des assos qui font ça? Et à l'époque, déjà, il n'y avait pas grand-chose pour les femmes. Franchement, en 2018, moi, quand j'ai créé mon asso, il n'y avait pas de groupe déjà de parole à Paris. J'en avais pas trouvé. Pour les hommes, j'ai cherché, j'ai pas trouvé pour eux. Qu'après, j'ai eu la demande de plusieurs hommes et je me suis dit, bah, c'est vrai que j'imaginais pas en plus, que. Plus pour eux, c'est très dur de demander de l'aide parce que ça casse leur identité d'homme viril. Et ça touche à leur virilité, leur masculinité, tout à fait. Et d'ailleurs, le pouvoir que peuvent avoir des gens dans la société, ils peuvent être à des très hauts postes et être victimes dans la sphère intime. Bien. Et si j'ai un conseil à donner, moi, je vais rencontrer une femme PDG d'une grande marque de cosmétiques qui était justement victime de violences dans son intimité. Et il y a un geste à faire quand on n'ose pas parler. Mais qu'on a besoin de dire qu'on est victime et qu'on a besoin de le signaler, eh bien les femmes peuvent mettre un point noir. Le point sur la main, c'est ça? C'est ça, un point noir dans le creux de la main. Et si vous voyez un jour une femme ou un homme avec un point noir dans le creux de la main, ça veut dire que c'est des personnes victimes de violences et qu'il faut les aider. Qui ont besoin d'aide et c'est une façon de donner l'alerte, tu veux dire, c'est ça? C'est une première façon de le dire, d'accord. Parce que parfois, ils n'osent pas. Et encore plus parfois, quand tu es dans une posture de dirigeant, avouer que chez toi, eh bien, tu es battue ou violée, c'est pas évident. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que pour les hommes, pour moi, j'estime que pour eux, ben, la parole est peut-être encore plus difficile à libérer. Déjà, pour les femmes, c'est dur d'en parler. Mais pour les hommes, c'est vrai que ça, comme tu dis, hein, ça touche aussi à leur masculinité, leur virilité. Oui, et puis moi, c'est très difficile, en fait. Je connais un homme victime de violence. Et il est victime de violence, pas parce qu'il ne peut pas se défendre, parce qu'il est champion de boxe. D'accord. Mais parce que s'il donne la réponse, c'est lui qui va être incriminé. Du coup, il est obligé de subir chaque acte qui lui sont faits. Et pourtant, c'est des verres brisés à la gueule, c'est des coups de poing, c'est des coups de pied. Enfin, mais il n'ose même pas répondre parce que lui, il est trop fort. Donc, s'il répond, alors, c'est pas le cas de beaucoup d'hommes, mais en tout cas, s'il répond, il sera, lui, traduit en justice de manière beaucoup plus sévère. Et d'ailleurs, c'est le cas parce que lui, il a beau avoir porté plainte contre sa femme, il n'y a aucune suite. Il n'y a jamais aucune suite. Mais c'est vrai que moi, je vais parler de l'intérêt des groupes mixtes. Hein. Moi, tu sais, je vais dire qu'est-ce qui m'a donné un jour envie de faire des groupes de parole mixtes. Parce que j'avais des groupes femmes, j'avais des groupes hommes et tout allait très bien comme ça dans mon asso. Mais un jour, après, j'ai eu des personnes qui étaient transgenres. Et du coup, j'aurais demandé, je ne sais pas trop, vous allez dans quel groupe, hommes ou femmes, parce que moi, je ne peux pas savoir à leur place, en fait, si... là où ils sont plus à l'aise, ils ont choisi, voilà, et donc du coup après ces personnes-là m'ont dit je vais tester un peu les deux, je vais voir là où je me sens plus à l'aise. Et puis il y a des fois où les personnes allaient dans les deux types de groupes et après je me suis dit, mais dans ma tête je me dis, mais pour moi ça n'a même plus de sens de faire des groupes genrés, en fait, parce que quand je ça fait 3 ans que j'anime des groupes et les partages qui seront, ça peut être très constructeur, l'apport des hommes aux femmes aussi face à ça. Mais tout à fait, je trouve que c'est des groupes très très enrichissants. Et puis en réalité, les personnes, si ça touche pas une question de sexe, en réalité ça touche à une question de dignité humaine. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'une personne transgenre, peu importe, mais en fait, ça touche aux mêmes problématiques. On ressent aussi les mêmes émotions, on sent la honte, la culpabilité, la difficulté d'accepter son épreuve. Et du coup, tu vas dans tes groupes des hommes violés? Dans mes groupes de parole, au sein de l'asso, ou les groupes que moi j'anime en visio en tant que coach et thérapeute, j'ai des hommes aussi victimes de violences sexuelles, ils sont les bienvenus dans mes groupes. Et du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on leur a mis un médicament qui leur a permis de soit avoir une érection et du coup d'être abusé? Soit des hommes qui ont vécu des violences sexuelles dans leur enfance, donc c'est de l'inceste ou de la pédocriminalité, ou soit c'est des hommes aussi à l'âge adulte, et donc ça peut être, comme tu dis, drogués dans leur verre, ou ce qui arrive aussi aux femmes d'ailleurs. Donc il y a les deux cas de figure, soit des violences dans l'enfance, soit des violences à l'âge adulte. Mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inceste quand même. Juliette, tu voulais aborder un point dans le livre qui t'a intéressée? J'étais en train, non, mais j'adore en fait ce que tu dis sur Ho Oponopono, par exemple, le fait de se réparer par des choses positives et par, donc là c'est une technique ancestrale de guérison hawaïenne, c'est ça? Oui, on avait déjà entendu parler, c'est pour se libérer et enlever les énergies bloquées. Moi je suis très là-dedans, je suis très dans les énergies
Et apparemment, c'est un outil puissant qui consiste, c'est un mantra de purification, c'est ça? C'est un mantra que tu récites, voilà, qui a quatre petites phrases dans ce mantra, qui sont « je suis désolée, pardon, merci, je t'aime ». Et tu peux même l'intégrer à une pratique de méditation, par exemple. Il y a plein de méditations très bien au Ponopono sur YouTube que tu peux trouver. Mais c'est une façon, en fait, de guérir des mémoires voilà, du passé. Aussi de travailler sur l'acceptation, travailler aussi sur le pardon. Et puis à la fin, on finit par « je t'aime » parce que pour moi, ben, l'amour, c'est une énergie en fait, de guérison. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, on est actif dans ce processus. L'amour vers soi, clairement, l'amour c'est la soi. Première réparation à avoir parce qu'on est les premiers bourreaux de soi. Si on peut retenir une chose de cette émission, je crois que c'est ça. Et en fait, moi, ce qui est important, c'est qu'en fait, on a tous les capacités en nous, on a les ressources nécessaires en nous à son propre changement et pour se guérir. Et pour moi, en fait, la guérison, ça ne vient pas des autres. Ce n'est pas un psy, un thérapeute, un coach ou un gourou qui va te guérir. Personne n'a ce pouvoir sur toi. En fait, la guérison, ça vient toujours de soi. Donc, c'est-à-dire que c'est nous, pardon, moi-même, Anya, je me guéris moi-même, Anya, je me sauve, en fait. Et chacun, on a ce pouvoir-là entre nous. Et là, personne n'a ce pouvoir à notre place. Et d'être pleinement actif de son processus de guérison, bah, je trouve que c'est comme ça qu'on reprend sa puissance personnelle et qu'on on dépend pas de quelqu'un, tu vois, pour guérir. Alors, quelqu'un peut nous accompagner sur le chemin de la guérison, comme moi, j'accompagne des personnes sur le chemin de leur résilience, mais moi, je ne fais pas le travail à la place des gens. C'est-à-dire que moi, je suis là pour les guider, mais c'est eux qui sont actifs de leur processus et savoir que soi-même, on a ce pouvoir-là dans sa vie d'avancer, que soi-même, on se guérit, soi-même, on fait sa propre résilience. Et ce que j'aime dans mon résilience, c'est que c'est un processus intérieur et qui vient de soi, tu vois, c'est personne qui nous apporte ça sur un plateau d'argent, mais c'est un voyage, en fait, on va dire, c'est quand même un voyage intérieur où on apprend à se connaître, on apprend voilà, à découvrir son potentiel, à travailler sur ses ressources, en fait, et à découvrir des parts de nous, en fait, que peut-être on ne serait pas allé explorer, tu vois, donc c'est quand même un voyage de transformation, et c'est pour ça que mon livre, c'est vraiment ce message-là que je veux transmettre, c'est un message d'espoir, de résilience, de paix et d'amour, et de courage, en fait. Parce que les courage. Femmes ont pour moi, voilà, un vrai point en commun, c'est le fait qu'elles sont admirables. Tout à fait, et qu'on est digne d'admiration, tout à fait, et que quand on a vécu ça, ben, c'est pour ça que je préfère le mot résiliente, parce que quand on dit ben, je suis résilient ou je suis résiliente, ben, les gens disent ah ouais, ben, c'est bravo, vérité, quelle force, quel courage, j'admire. Les femmes sont le peuple esclave le plus ancien, quand même. Parce qu'elles n'ont pas fait preuve de résilience pendant toutes ces époques. Et tout à fait, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, un message que je veux transmettre, c'est que quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, ou qu'on... Voilà, ben, il est possible. Bah, de guérir de ses blessures, il est possible d'appliquer de l'or sur ses cicatrices, en fait. Il est vraiment possible de tout transformer, de sublimer, de transmuter, en fait, ses blessures. Et qu'un jour, et ben, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi. Hein, non, qui est c'est un art japonais, en fait, qui est métaphore de la résilience. C'est l'art de réparer des céramiques brisées, voilà, qui sont brisées en plusieurs morceaux, en les recollant. Et en fait, en appliquant dessus, sur les lignes de faille, ben, des cicatrices en or, en fait. Et ça veut... c'est une métaphore de la résilience. Je connais, Karen Swamy, je te l'avais fait rencontrer ou pas? Je ne sais pas si tu m'as fait rencontrer. C'est une grande céramiste qui utilise cette méthode. D'accord, et ben, c'est magnifique. Et moi, je trouve que c'est, c'est de l'art-thérapie qui est symbole de résilience, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un objet qui a été brisé n'est pas forcément bon à jeter à la poubelle. C'est-à-dire, nous, on a tous eu des brisés dans notre vie. Mais en fait, par les morceaux brisés, tu peux les rassembler, tu peux en fait te reconstruire et tu peux vraiment appliquer sur tes lignes, tes cicatrices, on va dire, de l'or, et c'est de l'or alchimique, on va dire. Et que l'objet, une fois réparé avec ses cicatrices en or, a beaucoup plus de valeur. En fait, il est unique au monde aussi. Et que l'objet est même plus beau qu'avant l'épreuve, on va dire. Bah oui. Alors, on est tous une œuvre d'art, mais d'ailleurs, unique au monde. Et je trouve ça très, très beau d'ailleurs. Oui, on a un message et ça sera le dernier parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps. Jordan. Ah. Bonjour, vous trois. Je connais une pote qui a subi une agression en sortant de son école. Et je l'ai beaucoup aidé à s'en remettre. Voilà, et j'espère. Et c'est un super live. Continuez comme ça. C'est gentil. Merci Jordan d'avoir aidé ton ami. Oui, bah, ce qu'on peut faire, c'est évidemment les écouter, les soutenir, les encourager. Bah, voilà, maintenant, je connais ton association et je sais quoi faire parce que je pense que je vais t'envoyer du monde, chère Anya. Parce qu'on a
nos limites en Eh tant ben, c'est qu'amis, ça, moi, c'est ce c'est-à-dire. que je fais quand j'ai quelqu'un, j'envoie chez Anya. Mais oui, mais évidemment, Mais... tout chez Anya. Non, mais Parce parce que qu'on je a sais nos que c'est le limites. meilleur endroit. Je sais pas si c'est le Voilà. meilleur endroit, mais c'est un endroit où, Si. voilà, Voilà, bon, je on sais accueille. qu'Anya, on peut avoir confiance. Ça me touche, merci Céline. Mais vraiment, c'est vrai que voilà, si quelqu'un se confie à nous, bah, d'être là juste pour accueillir sa parole, c'est déjà énorme. Et souvent, d'ailleurs, quelqu'un qui a vécu des violences, elle cherche pas des conseils. Tu sais, même une ancienne victime, elle demande pas vraiment qu'on lui donne, Non, dise mais quoi tu es faire, là mais pour apporter déjà un juste endroit être là pour écouter, protégé voilà. dans lequel elle Bien s'exprime, sûr. t'apporter ta douceur, t'es enrobante, et en Et même temps, t'as pas pitié, t'es tout à fait. boostante, t'es un exemple même d'une personne courageuse. Enfin, moi, je crois que t'es un modèle pour ces femmes quand elles se confient, et Merci. c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui a ce profil. Bah, Et un espace de parole sans je trouve jugement, que... c'est quand même, c'est pas, c'est vrai que c'est ça dont on a C'est besoin en ça, fait, mais c'est pour ça que de chez Anya, partager c'est le sans bon être endroit. jugé. Merci. Eh ben on va conclure sur cette très belle phrase. Chenia, c'est le bon endroit. Je vous rappelle son livre L'or de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Je le mettrai en story juste après ce live et je mettrai le lien vers ton site. Et c'était un plaisir de te rencontrer. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de te voir en vrai et qu'on Avec puisse grand plaisir. prendre un café sur une terrasse au soleil. Quand Pourquoi les pas terrasses sont réouvertes, dans oui. quelques mois, hein, Bah, ça me fera n'hésitons très pas. très plaisir de te rencontrer en vrai et de continuer nos échanges, et c'est passionnant. Et Merci ben, beaucoup merci Céline de Juliette. m'avoir présenté Anya et bravo pour ce thème qui a été de ton initiative parce que c'est très important d'en parler et ça booste, c'est plein d'énergie et on arrive à trouver du positif même dans des thèmes très dramatiques. C'est Donc ça, et je pense c'est que un c'est super indispensable moment avec que la reconnaissance de la victime chez les femmes est une étape, mais de savoir que voilà, les femmes, nous le prouvent depuis toujours, sont plus que des victimes et que ce n'est pas du tout un aboutissement que de reconnaître ce statut de victime. Et c'est pour ça que Anya, il faut aller chez elle. Merci, merci Juliette, merci Céline de m'avoir invitée. C'était un honneur pour moi d'être Et là. les femmes, arrêtez d'être des bourreaux pour vous. Faites. Envoyez-vous des compliments Voilà. et envoyez-vous des fleurs. Faites-vous Et livrer des faites-vous fleurs le lendemain. des lettres Voilà. d'amour Bah, à vous-même. c'est d'ailleurs, C'est ça. oui, je le partage d'ailleurs comme exercice, écrire une lettre d'amour à soi-même. Et voilà, non, c'est vrai. Et de s'apporter beaucoup de douceur, de bienveillance et de se dire, eh ben, à chaque moment de notre vie, on a fait notre mieux et c'est OK en fait. Mais je Et trouve que qu'on est tu en vois, on paix a des avec petits ça, actes bien avec sûr. s'acheter des fleurs, par exemple, et ben c'est un vrai tuto, c'est un vrai outil, c'est se faire plaisir. Et ça, peu de femmes le font. Ben là, aujourd'hui, allez sur Interflora et faites-vous livrer des fleurs. Est-ce qu'on peut s'acheter des chocolats plus tôt? Là, Ouais. Ou des chocolats, je c'est. te reconnais, Juliette. Je suis Oui plus aussi. chocolat. Mais les fleurs, il y a un côté très, très, très je t'aime, quoi. Les chocolats aussi. Moi, Ok, d'accord. je Je suis ferai les d'accord, moi deux. j'adore le chocolat aussi, donc. Bon, ben, je reste avec mes fleurs, alors. Mais chocolat, il y a beaucoup de douceur aussi, tu vas dans le chocolat. Mais Cœur les fleurs, caramel. mais le mieux, c'est le duo chocolat avec les fleurs. Ah ben Donc voilà, on voilà, fait les deux. on fait les deux avec un bon petit bain chaud, c'est bien aussi. Mais c'est Carrément. vrai que s'enlever la culpabilité, bon, on ne va pas repartir sur un débat, mais j'ai lu que certains animaux n'avaient pas la culpabilité. Et je me Ouais. disais, mais pourquoi nous, les humains, c'est ça qui nous bouffe, c'est qu'on fait quelque chose, on a un événement, et après, on se pourrit la vie pendant tellement d'années, alors que C'est ça. l'événement est passé. Et si on avait ça en moins, on vivrait tellement mieux. Voilà. Mais quels sont Bon. ces animaux qui n'ont pas la culpabilité? Parce qu'on les envie. Alors, il y en a quelques-uns. Ah là là, je vais me renseigner. Alors, animaux sans culpabilité. Si tu veux, on fera un live là-dessus. C'est clair, j'adore. Parce qu'ils ont une culpabilité. liberté, un pouvoir de dingue. Hein. Ah C'est bah vrai, parce c'est... que quand tu n'as pas la culpabilité, tu es libre. Tu Bah vis sans oui. contrainte intérieure, enfin, bien T'imagines sûr. le pouvoir? Et quand tu es libre, et ben, bien sûr, rien n'est impossible pour toi. Alors, Alors, Juliette, je c'est crois pour que les chiens n'ont pas de culpabilité. ça qu'ils sont adorables. C'est pour ça qu'ils vivent l'instant présent, voilà, et Voilà. qui. Après, attention, il en faut un peu pour que les vrais coupables de quelque chose d'atroce, j'imagine, s'en veuillent quand même un peu d'avoir fait un acte immonde. Mais c'est juste cette culpabilité mal placée dont je parle. Enfin, la Oui, c'est la culpabilité. culpabilité qui est malsaine. Parce qu'en fait, il y a une culpabilité qui est saine.
imaginons que Juliette, je viens chez toi et je casse un vase, et ben je vais me sentir coupable parce que voilà, et après ben je vais t'en offrir un autre ou je vais le réparer, ou peut-être le réparer au kintsugi, tu vois. Et la culpabilité, il y en a une qui est quand même saine, c'est quand on fait du tort à quelqu'un, ben, il y a une réparation après, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est sain, mais le reste, dans le cas des violences sexuelles, la culpabilité ressentie par une victime, c'est une culpabilité qui est malsaine et qui a même pas lieu d'être, en fait, qui ne devrait pas exister et qu'aucune victime ne devrait s'infliger ni porter, en fait. On est d'accord. Voilà. Je vous embrasse bien fort, les amis, et je vous souhaite... Nous aussi, on t'embrasse fort. Plein de fleurs, plein de chocolat. Plein tu penseras à nous en mangeant tes chocolats. Exactement. Nous, on a sorti les cocktails pour fêter la parution de son livre. Bah, super. Bah, je te souhaite un gros succès avec ce livre et qu'il, surtout, il fasse du bien au maximum de femmes et que... Et d'hommes aussi. Il s'adresse aussi aux hommes, c'est important de alors dire. Même si mon livre est rose, je m'adresse aussi aux hommes, en fait. J'écris pour les hommes, pour les femmes. Mais tu as raison. C'est important, voilà. J'écris pour les êtres humains. Exactement. Savent lire. Peu importe le genre. On peut aussi leur lire. Et ben bon cocktail, les filles, je vous envie. J'ai presque envie de venir vous rejoindre. Bah grave. Bah ouais, il faudrait venir. Ce sera avec grand plaisir. Malgré le couvre-feu. Céline, on se voit, on s'entend. On s'entend lundi pour un nouveau thème qu'on définira avec joie dans la semaine. Je vous embrasse très fort. Bisous les filles. Gros bisous Juliette. Gros bisous Juliette. Merci à Chris d'avoir fait notre modérateur. Oui, carrément. Merci beaucoup.